Et ce matin, c'était levé 5h30, donc ça piquait un peu après la semaine de boulot. Normalement, je laisse 3-4 fois sonner le réveil. Voilà, à partir de 20. Moi, d'un point de vue perso, rien que le fait de me retrouver sur un bateau, je suis content. Et habitant et travaillant à Paris, on n'a pas toujours l'occasion. Donc rien que ça, c'était quelque chose qui m'excitait vraiment pas mal. Et puis c'est la sortie d'hiver, vraiment de plus en plus d'excitation et puis d'impatience. C'est cool! C'est méga cool. C'est tout bon, c'est tout bon. Super. Super, super. Le bateau, il sort de chantier, donc pas mal de choses ont été faites. L'antidérapant du fond a été entièrement refait. La carène a été refaite, plus diverses réparations. Donc moi, j'avais hâte de voir ce qui était fait. Je suis vraiment hyper content du résultat. Et donc, ça rassure, parce qu'en fait, on enlève des inconnus, quoi. Ça, c'est bon. Et ça aide à avancer. Je suis très content. Je suis presque ému, quoi. Et là, ça se voit pas, mais ils ont refait l'étanchéité du hublot aussi. Pour moi, c'est vraiment le point de départ de la saison, quoi. Ça y est, l'hiver est passé. Je reviens au bord de l'eau, je reviens sur mon bateau, les choses elles repartent et puis c'est l'année de la route du Rhum. Donc c'est peut-être le vrai point de départ de la route du Rhum, quoi, pour moi. Mes grands-parents habitent à 200 mètres d'ici. Donc c'est un endroit où j'ai grandi, j'ai passé toutes mes vacances petites. Et voilà, c'est vraiment mon lieu familial et la maison de ma mère, quoi. À partir du moment où elle n'était plus là, cette mort brutale m'a fait prendre conscience de la fragilité de la vie et que je ne voulais plus perdre de temps et que je voulais aller droit au but et vivre mes rêves. Et peut-être que ça m'a fait aller plus loin et vivre la vie plus intensément. Bien sûr, j'ai été baignée dans la course au large depuis tout le temps. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? T'es plutôt bon marin, t'as envie de faire du solo, c'est le bon moment. Je me souviens quand j'étais à l'école et qu'il fallait remplir les fiches, alors métier de votre père, votre mère, à chaque fois je lui demandais mais je mets quoi? Alors des fois il me disait skipper, des fois navigateur, donc c'est vrai que c'était un métier. Enfin, j'ai mis vachement de temps à avoir conscience de ce que c'était le métier de coureur au large. Son palmarès est tellement impressionnant que pour moi, c'était difficile d'aller, comme on dit, sur ses pas. Et j'ai eu l'occasion, donc l'été dernier, de naviguer sur des classes 40. Et là, ça a été le coup de foudre. Je me suis dit, mais j'ai trop envie de naviguer seule sur ces bateaux. Et puis voilà, après, ça s'est fait et j'en suis là maintenant. Avec mon bateau, c'est quasiment impossible d'arriver première. Je ne vise pas la victoire. C'est vraiment pour moi la première étape dans ma carrière de coureuse au large. On verra ce que ça donne, mais j'ai envie de faire ça plusieurs années. Donc ouais, je débarque dans le milieu. J'aurais aimé être marin, comme mon grand-père, comme mon arrière-grand-père, etc., etc., parce que c'est une famille de marins. Sauf que le problème, c'est que je suis un gros nul en maths, et pour naviguer dans la marine marchande, il faut être bon en maths. Donc, j'ai très vite abandonné ça. Bon, ben voilà, c'est parti. Il y a 17 nœuds, là.
la route du Rhum, c'est évidemment une course extraordinaire, une course mythique, mais l'idée initiale, l'envie initiale, c'était pas de faire particulièrement la route du Rhum. C'était de faire une transat en solitaire. Donc, ça fait très longtemps que je fais du bateau, donc à un moment donné, pour moi, ça a été assez naturel de chercher cette espèce d'accomplissement, de prouver à moi-même que j'étais capable de faire ça, et je cours pour la satisfaction de moi-même. C'est très égocentrique, finalement. Ah, fait chier ça! La course, ça t'oblige, tu t'obliges à toi-même à une exigence qui n'existe absolument pas en croisière. Une traversée de l'Atlantique en croisière, ça n'a pas d'intérêt. Quand tu es en course, il se passe toujours quelque chose. Il y a un côté palpitant, vraiment palpitant. Ça va rester en Clarisse parce qu'elle n'est pas remplie. Merci. Clarisse, mon épouse, elle m'accompagne déjà pas mal dans toute la gestion de mon projet. C'est un projet amateur, donc on n'a pas une équipe autour de soi. Et c'est quand même hyper important de se sentir soutenu. Quand je regarde un petit peu, j'ai mon boulot qui me prend à plein temps. Je vais traverser pour la première fois l'Atlantique. Clarisse est enceinte, donc on attend un joyeux événement pour début août. Donc ouais, ça va être une année 2018 complètement folle à tous les points de vue, mais du coup d'autant plus géniale, je pense. Ça y est, je suis inscrit à la route du Rhum, regardez. Et hop, voilà, il n'y a plus qu'à mettre le bateau au sec, refaire la carène pour que ça glisse, et c'est parti mon kiki. À bientôt. Dimanche 18 mars. Donc ce matin, j'ai nettoyé la coque du bateau pour enlever les algues. J'ai passé plus d'une heure dans l'eau froide, elle était maximum à 10 degrés. C'était quand même la galère, j'avais les doigts gelés, c'était physique, j'y voyais rien. Et le pire, c'est qu'il y a 2 mois, je pensais encore pouvoir me payer le carénage du bateau. Mais là, je suis obligée de le faire moi-même. L'histoire, c'est qu'en fait, il n'y a pas longtemps, j'étais sur le point de signer un contrat de sponsoring avec une grosse boîte qui allait assumer l'intégralité de mon financement. Et malheureusement, au dernier moment, la patronne de cette entreprise est revenue sur ce qu'elle nous avait promis. Et on va dire la veille avant de signer le contrat, tout a été annulé. Donc là, je suis en trésorerie limitée. Donc il faut que je garde mon argent pour payer la location du bateau, l'assurance, les voiles, etc. Donc là, j'essaie de faire un maximum de choses moi-même. C'est vrai que ça demande plus d'énergie, c'est pas facile. Il y a le moral qui fait un petit peu des hauts et des bas. Mais c'est hors de question que je fasse un emprunt, parce que j'ai pas envie de me mettre dans une situation inextricable. Hors de question que je vende ma maison. Oui, je me suis fixé certaines limites. Mais la limite que je me suis pas fixée, c'est que je suis prête à patienter jusqu'au dernier moment pour trouver des financements. Donc voilà, je patiente et je fais confiance à ma bonne étoile. Thank you.
Salut Marc. Ouais, salut Hervé. J'ai eu tout le monde là ce matin parce que pour essayer de se coordonner de façon à avancer un tout petit peu le matage pour que on puisse naviguer le premier week-end, c'est-à-dire le week-end du 14-15 quoi. Tu me donneras la lettre parce qu'il a dit Mardi 27 mars. J'ai la tête encore en vrac après le convoyage du bateau ce week-end entre La Rochelle et les Sables. Je pensais pas que ça serait aussi compliqué d'être loin du bateau. Le ventre de Clarisse grossit, ça prend forme. Je risque de ne pas pouvoir assister à la prochaine échographie du mois d'avril. J'espère qu'elle va pas m'en vouloir. Hello. Bilan financier à rendre d'ici la fin de la semaine. Ça va être un peu sport, mais ça va le faire. Pas le choix de toute façon. Ça va ? Et toi ? Ouais. Bonjour. Bon, ça va Max ? Bien, et toi ? Ouais, t'es rentré hier ? Je suis rentré hier matin, ouais. Je suis à Paris à 7h du matin. D'accord, ouais. T'es en pleine forme. Je suis nickel. Je suis directeur financier de l'entreprise Azeo, qui est une entreprise de services informatiques, et qui me sponsorise pour participer à la Route du Rhum, catégorie classe 40. C'est une des seules courses finalement où un amateur peut se dire « Allez tiens, je vais me confronter un peu au gros sur une course que tout le monde connaît, etc. » Au début, quand on a lancé le projet Route du Rhum, on voulait que ce soit un vrai projet d'entreprise qui serve l'entreprise entière, qui serve les collaborateurs. Que ce soit pas juste une belle aventure à partager et de la visibilité. Et donc là, on s'est dit, on va laisser les collaborateurs proposer leurs initiatives. Sur certaines métriques qui peuvent affecter le tableau de bord que tu utilises pour les éléments. D'accord. Et là, l'idée, c'est de focaliser sur la progression. Normalement, tout doit être de ce côté-là. Si tu as été meilleur entre 1 et 2, t'es forcément dans quelque chose de positif. La particularité de ce métier-là, c'est que les consultants qui nous rejoignent, ils sont à 95% passionnés par ce qu'ils font. Ils sont passionnés de technologie, ils sont passionnés de numérique, ils sont passionnés d'informatique. Et donc ils sont toujours à la recherche du nouveau, toujours faire mieux, toujours faire mieux, toujours faire mieux. Alors ils parlent des langages, tant en temps qu'on ne comprend pas, mais enfin, c'est quand même agréable de bosser avec des gens comme ça. Là, si on récapitule, c'est les données que vous avez prises d'Adrena, du logiciel de NAV. Ça donne du boost, ça donne de l'énergie. Et puis en plus, ça me permet d'assumer un petit peu plus le projet, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ça, ça serait quand même pas mal un projet perso où c'est moi qui en profite en réalisant mon rêve, en vivant ma passion, etc. Le plus c'est partagé, moi le plus ça m'enlève un peu de pression en disant ok, c'est pas. Enfin, tout le monde en profite et c'est vraiment top. Mardi 3 avril. Matinée chargée ce matin à la boîte. Pas toujours simple le job de chef d'entreprise. Le chantier électricité du bateau avance bien, ça c'est impeccable. Pour l'instant, je suis dans les délais et tout roule. Par contre, ça se complique au boulot avec la construction du nouveau bâtiment. J'espère que je vais pas rester bloqué ce week-end. C'est pas parce qu'on le décide, on dit tiens, allez hop, je vais faire une transat, que c'est possible de le réaliser. Il y a des tas de choses à mettre en place et à réussir à organiser avant, parce que ça demande du temps quand même. Là, en l'occurrence, je vais être parti presque 2 mois quand même. Donc, ça s'organise pas forcément aussi facilement que ça, tant au niveau professionnel qu'au niveau familial aussi. Enfin, donc voilà, c'est un ensemble de choses. Et là, cette année, tout est réuni pour que ça fonctionne. De toute façon, une fois que je vais être parti, même si le monde s'est écroulé, l'entreprise a pris feu, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'aurais pas d'autre solution que d'aller devant. Si ça arrive la veille de mon départ, ou dans la semaine qui va précéder, etc., c'est vrai que ça va être un souci terrible. Et je peux même imaginer qu'une configuration dramatique où je veux dire non, je ne peux pas partir. Voilà, c'est possible. C'est possible.
fait une crise de somnambulisme cette nuit. Mais non. Si. Tu t'es levé, t'as commencé à tâter la fenêtre sur le côté. Je pense que tu t'imaginais être dans ta cabine de ton bateau. C'est ça, non? Ouais, je sais plus, mais... Ouais. Ah, je savais plus trop où j'étais. Je t'ai indiqué où étaient les toilettes. C'est gentil. Mais t'as pas tiré la chaise d'eau. Ouais. Oh, bateau, on tire pas la chaise d'eau. Quasi prêt. À très vite. Dimanche 15 avril. Clarisse est restée se reposer à la maison. C'est aussi bien, comme ça je peux rester dormir dans le bateau, j'aime bien, je fais les trucs à ma sauce, et je peux vraiment me mettre dans ma bulle. Le départ de la Calife approche, dans moins de 2 semaines, je suis au départ de la course des 1000 milles. J'aime pas ces périodes de préparation, ça me stresse carrément, j'ai toujours peur d'oublier un truc, que l'on me recale à la visite de sécurité avant le départ. Je sais pas encore comment je vais rentrer sur Paris ce soir. C'est journée de grève, peut-être un blabla ou du stop, j'aviserai. L'inaction me fait peur. C'est-à-dire que quand je navigue pas, bah, j'ai l'impression de plus savoir naviguer. Et là, c'est un peu le cercle vicieux parce que vu que t'es pas à l'aise, t'es pas décontracté. Et vu que t'es pas décontracté, bah, tes mouvements sur le bateau, ils sont pas fluides. Donc là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est pas tellement la vitesse, c'est pas forcément les manœuvres, etc. C'est vraiment juste de retrouver un peu des automatismes, de se ressentir à l'aise. Je suis hyper content de cette sortie. Elle a vraiment plutôt servi à me rassurer, à me dire, bah voilà, c'est bon, t'as pas tout perdu. C'est comme le vélo, ça revient. Et voilà. Clac, l'écoute c'est bon, deux sous qui bordés, ça se met ok, ça. Ok. J'ai pas mal de problèmes avec mon mât qui a mis du temps à être certifié. Maintenant c'est bon, mais ça a quand même décalé tous mes entraînements. Donc on a beau se dire que on sait qu'il va y avoir des imprévus quand ils arrivent. Ça fout un peu tout en l'air, puis aussi un peu moralement, de temps en temps, ça fait un peu des hauts, des bas. Mais globalement, les choses, elles sont quand même cool, quoi. Les planètes s'alignent petit à petit, et voilà, et tous les projets sont les mêmes, je pense. Tous les projets, on voit que la face émergée de l'iceberg, où les mecs, ils postent une vidéo, ils ont mis leur bateau à l'eau, et tout va bien et tout ça, mais je pense qu'ils ont eu les mêmes emmerdes, les mêmes retards avant, voilà, donc c'est comme ça. Mercredi 25 avril. Encore un séjour express de plus à Paris et encore une journée où je ne serai pas sur l'eau. J'ai l'impression de perdre mon temps, ça m'agace. J'ai une touche avec un sponsor, mais c'est le pire de ce qui pouvait m'arriver. Une firme pétrolière. Du coup, je pense que je vais dire non. Faut que je sois cohérente avec moi-même, je vais quand même pas vendre mon âme au diable. Ce matin, je vois les gens de l'Institut de l'alimentation bio. C'est eux qui vont préparer les repas pour la course, ils sont super intéressants. Ils ne me donnent pas tout, mais par contre, ils vont me permettre d'en économiser. Je t'ai dit d'essayer l'eau bouillante, mais l'idée, c'est qu'il y ait une cuisson massive. Ouais, bah. Alors là, je peux dire que j'adore.
Ouais. Mm. Tu m'as mis dans ton mail que les plats préparés, ou en tout cas les aliments doux, étaient bons pour ton moral. Ouais. Donc ça veut dire quoi par rapport aux épicés? Ben, j'ai pas envie de manger de l'épicé pendant 20 jours. Quand tu dis épicé, c'est quoi? Du genre s'il y a du type gingembre, des trucs comme ça? Ouais, voilà, moi j'adore ça, mais c'est vrai qu'en mer, en plus, dès que ça bouge un petit peu, t'es vite écœuré, donc il faut des produits assez neutres. Ok, mais c'est intéressant. C'est sûr qu'une bonne alimentation peut être hyper décisive par rapport à mon efficacité à bord. Si je mange bien, mon énergie et ma puissance peut en découler, quoi. Donc c'est vrai que, pour moi, je trouve ça passionnant. C'est vrai que là, ce projet Route du Rhum me permet d'avoir accès à plein de facettes différentes, que ça soit le sport, c'est la première fois que j'ai un coach sportif, là l'alimentation, je suis en relation avec un médecin du sommeil, donc c'est vrai que ça permet d'avoir accès à des domaines de manière précise et pro. Une. Deux. Encore trois, force pas sur ta nuque. Parfait. Encore une. Six. Alors, travaille un peu sur le bossu. Où là, on va un peu rappeler un peu la simu du tangage. T'inspires, tu descends, tu souffles, tu relâches. Comme un squat, sauf que t'es sur un sol pas stable. Ça marche. Vas-y, inspire, descends. Souffle, remonte. La même chose avec ton dos droit. Je me suis fixé comme programme de faire du sport au moins 2 à 3 fois par semaine. Parce que c'est vrai que ces bateaux, les classes 40, sont quand même super physiques. Plus t'es costaud, plus t'es résistant et plus tu peux pousser ton bateau. Mais encore une fois, là, comme mon premier problème, premier objectif, c'est trouver de l'argent pour financer ce projet, je ne suis pas encore assez disposée pour atteindre cet objectif. Et du coup, je suis à 50% de ce que j'aimerais être. 8. 9. Dimanche 6 mai. Grande nouvelle, je vais être grand-père. Quelques semaines avant mon départ pour le Rhum en plus. J'aurai le temps d'en profiter un peu. Il me reste pile poil 1 mois pour préparer mon parcours de qualif. J'espère que la fenêtre météo sera bonne à ce moment-là. Si j'ai pas bouclé fin juin, ça va être tendu après. C'est sûr que c'est un espèce de marathon, la route du Rhum. Il vaut mieux effectivement ne pas être stressé, ne pas être sur la tension, quoi, parce que on va vite s'épuiser. Donc la faille, elle viendra de ce que j'aurais pas bien préparé, parce que j'y aurais pas pensé. Après, il n'y a pas vraiment de raison objective pour que ça se passe mal. Ce qui serait un drame, c'est que je tombe à l'eau. Et que je disparaisse, ça serait plutôt ennuyeux. Mais voilà, c'est pareil, je me prépare à ça aussi, dans le sens où je mets mon gilet, je m'attache, je prends toutes les précautions nécessaires, quoi. Et le bateau, il est préparé pour ça aussi. C'est marrant, les gens qui disent est-ce que t'as le niveau par exemple? Non, j'ai pas le niveau, mais j'aurai le niveau, enfin, sinon je me lancerai pas dans un projet. C'est comme dire je t'enlèverai tes roulettes quand tu sauras faire du vélo sans roulettes. Quoi. C'est justement se lancer dans un projet qui permet d'arriver au niveau nécessaire. Je viens de terminer un bord vers l'ouest de Spi. Là, le vent est monté à 22 nœuds, j'ai affalé et j'ai renvoyé pour mon bord de près, puisque je dois faire 120 000 au près, dans au moins force 5, donc là j'y suis. Pfiou, et j'ai déjà bu de l'eau, mais je crois que je vais en reprendre encore. Ouh, une belle suée.
Jeudi 31 mai. Aujourd'hui, session d'entraînement à Port-la-Forêt. Il n'y a pas de vent, c'est un peu mou, mais on est toujours mieux là que dans le métro. Et puis moralement, ça fait sacrément du bien d'être sur l'eau. J'ai passé les trois dernières semaines à envoyer des mails dans tous les sens. Sur les 100 boîtes contactées, 3 m'ont répondu positivement. Faut vraiment pas que je lâche l'affaire. Allez Morgane, go go go! Là, on est à quasiment six mois du départ de la Route du Rhum. Je commence à avoir des échéances assez... Enfin, j'ai des choses à payer. Je suis à la limite d'avoir des dettes. Donc c'est vrai que ça, c'est hyper stressant. Le côté financier est hyper stressant. Par exemple, la grand voile est commandée, elle est faite. Et maintenant, il faut que je la paye, mais j'ai pas assez d'argent pour la payer. On verra. Ouais, bah je vais laisser tomber parce que... Il y a des moments où j'en ai marre, je me dis dans quelle galère tu t'es foutu. Je pense que le contexte économique global est vraiment difficile, c'est difficile même pour des très bons. Et moi, j'ai pas d'expérience, on va dire, en termes de course au large. Donc ça, c'est mon point faible. Même si j'ai un gros atout d'être la fille d'eux, mais voilà, ça fait pas tout, donc c'est pas plus facile pour moi que pour d'autres. C'est vrai que c'est l'envers du décor, ce qu'on voit pas forcément quand on pense à la course au large. On n'imagine pas du tout tout le travail qu'il y a en amont et la difficulté qu'il y a avant de prendre le départ. Et en fait, la partie sur l'eau, c'est relativement facile par rapport à tout ce qu'il y a derrière. Mardi 4 juin, deuxième entraînement de squash de la semaine. C'est pas le moment de me faire mal. Jeudi, je passe le test d'effort à l'hôpital pour valider mon inscription au Rhum. Une étape de plus à passer. J'ai jamais arrêté de faire du sport, donc j'ai pas d'entraînement particulier à faire en plus de ce que je fais actuellement. Et le squash, justement, c'est quelque chose qui est un bon entraînement, à mon sens, parce que c'est quelque chose qui est assez cardio, et que la voile, ça l'est aussi. Certaines manœuvres de bateau peuvent être assez violentes, ouais. Il y a vraiment des efforts très denses et très rapides à faire. Il faut développer vraiment un effort musculaire important, et tout d'un coup, il faut être à 300%. Au niveau physique, voilà, je sais que je suis en pleine possession de mes moyens. C'est plus le mental qui va être sollicité. Parce que c'est tellement facile, quand on est tout seul, de se dire « Oh non, la manœuvre là, non, je vais la faire dans une demi-heure, je me repose encore un petit peu. » C'est tellement facile, quoi. Et demi-heure après demi-heure après demi-heure, à l'arrivée, ça va faire 2 ou 3 jours de différence par rapport à ce que j'aurais pu faire. Bien joué, Maxime! Samedi 28 avril. Quel moment étrange. Je suis décalqué, dans un état un peu flottant. On est arrivé et en même temps, on n'est pas encore complètement à terre. C'est assez grisant. Puis surtout, ça y est, je suis qualifié. Le projet est dans la seringue, je ne ferai plus marche arrière. Clarisse m'a fait la surprise. Elle m'attend sur le ponton. Je suis 10e de la course. C'est bien, mais pas top. Enfin, de toute façon, ça n'a pas d'importance. J'ai appris plein de trucs. Bonne chose au fait, hein. Quand j'arrive, c'est mon sentiment premier. C'est « Max, t'as passé la ligne. T'as passé la ligne. T'es qualifié pour la... » Tu sais même pas forcément ton classement, etc. Mais t'es qualifié pour la Route du Rhum, quoi.
Et ça, c'est un soulagement. C'est un soulagement. Enfin, moi, je le vois comme ça, je le vis comme ça, immense, vraiment immense, parce que au-delà de la fierté d'avoir fait le parcours, quoi, ça m'enlève surtout un poids de me dire, ça y est, c'est bon. Ah, t'as coché quasi toutes les cases. Maintenant, plus rien ne peut m'empêcher d'aller à Saint-Malo. Voilà. Du coup, ça s'est bien passé ? Ah, bah, globalement, super, ouais. Super, super. Je suis vraiment hyper content. Ouais. C'était la première course en solo et en fait, ouais, je pense que j'aime bien le solitaire. Merci. Voilà. On dira à Denis, il sera content. Là, quand on est en course, il faut faire le bon choix à chaque fois, que ce soit en réglage ou que ce soit en choix de route. Et là, dès le deuxième jour, je me rends compte que j'ai une idée sur comment je veux caler un empannage, quelle manœuvre je veux faire. Et je peux en discuter avec personne. Et alors, c'est aussi ça que je suis venu rechercher. Hein. Mais c'est un peu, au premier abord, c'est un peu déstabilisant parce qu'on dit, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée. Et c'est ça que je suis venu chercher, en fait, sur ce type de course. Hein. C'est que ça m'apprenne, quoi. C'est que ça me permette d'engranger de l'expérience et puis mettre les petits maillons à chacun qui me permettront d'être performant pour la route du Rhum. C'est chouette que ça soit possible, que ce soit maintenant ou demain. Ce qui est chouette, c'est que ça soit possible. Le temps passe et ça serait folie d'attendre de ne plus pouvoir faire ce qu'on a envie de faire et de se dire « Ah bah zut, je regrette, j'aurais dû. » Puisqu'on peut le faire et qu'on veut le faire, alors on va le faire. Présenter ma fille. Chut. Valentine. Valentine. Chut. Valentine. Semaine de dingue. C'était ma première course en solitaire, je suis explosée de fatigue. Arnaud m'attend à Cherbourg, Lucky aussi et d'autres amis. Je suis impatiente de les voir. On va pouvoir fêter ma première qualification au Rhum. Yes! Ralenti! Ralenti! Marche arrière! Merci! Nickel. Ouais, pour une première nav en solo, j'ai eu le condensé de tout ce que je peux imaginer là en 5 jours, de la pétole au 49. Ça a été une révélation de me retrouver seule sur mon bateau, ce dont effectivement je rêvais depuis des années, on va dire. J'ai quand même pas mal de milles derrière moi, mais de se retrouver toute seule sur mon bateau, j'ai eu l'impression d'avoir fait ça toute ma vie, je me suis sentie super à l'aise. Sauf dans des moments un petit peu délicats où là j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un, mais sinon j'ai vraiment adoré le fait vraiment de se retrouver seule, de tout faire à mon rythme, ça a un côté vraiment exceptionnel qui me plaît. Ah ben Arthur, t'es bienvenu. Ça va? Bah super, et toi? J'ai essayé de t'appeler, je sais pas combien de fois. Sur la VHF. Hein. Ah zut. Dès que tu étais à côté, j'ai essayé de t'appeler, mais je sais pas, tu m'entendais pas. Ouais, j'étais peut-être pas tout le temps dans 72 en fait. Ça va? Ouais, super. Bah oui, c'est ça qui est bon. Voilà mon bateau. C'est un bateau qui fait 11,50 m de long. 4,20 m de large, qui pèse à peu près 7 tonnes. Vendredi 7 septembre, je rencontre les classes de CM1, CM2 de Pleurtuis qui vont me suivre. Ils me font marrer et craquer, les gosses. Tout est simple avec eux, il n'y a pas de retenue. Il va vraiment falloir que je me garde du temps durant la course pour leur envoyer des nouvelles. Quand vous êtes dans le bateau, que mangez-vous Alors, qu'est-ce que je mange? Je mange en plat principal des plats préparés
Style. Vu qu'on soit pas tellement en fait de rester tout seul dans mon coin pour vivre ça d'une manière solitaire. Parce que moi j'ai pas de micro-ondes d'abord. On a tous une responsabilité sociale de partager les choses quoi. Et notamment vis-à-vis des enfants qui ont des tas de choses à découvrir. Et tout ce qu'on peut apporter, tout ce qu'on peut partager, ben c'est autant d'humanité qu'on peut apporter autour de nous. Donc j'aime bien ça, quoi. Comment vous faites pour dormir ? Je ferme les yeux pour dormir. Voilà. En fait, je suis très, très fier, très, très heureux que ce projet-là, que cette aventure, ça partage un certain bonheur à des tas de gens, des amis. J'étais vraiment très, très, très ému que ma fille me dise « Je suis fier de mon papa ». Bon, voilà, j'ai été très ému de ça. C'est pas compliqué, ça demande juste du temps parce qu'il faut bien caler les deux. Psychologiquement, ça fait du bien de savoir qu'on est entouré parce qu'il y a des moments où la lourdeur du projet, la complexité nous rattrape un petit peu. Et donc au moins comme ça, et ben, on relativise en disant alors, tout est sous contrôle, il y a un tel qui va m'aider à ça et ça, donc c'est bon, ça va le faire. Voilà. Lundi 10 septembre. Après-midi cuisine chez mes beaux-parents. On est moins à l'étroit qu'à Meudon. On prépare les plats pour la course. Ça sent le départ qui se rapproche. La rentrée me laisse pas beaucoup d'heures de sommeil. Je suis rentré tard d'entraînement à Saint-Malo. Va falloir sérieusement que je fasse l'impasse sur certains trucs perso ou familiaux. Sinon, ça risque de partir en burn-out. Alors ça m'intrigue de savoir si ça dure 3 semaines ou pas. Ça m'éclate de regarder Valentine. Elle a quasiment 2 mois déjà. C'est un truc de dingue la vitesse à laquelle elle change. Valentine, elle est née un petit peu plus tôt que prévu et ça a complètement chamboulé l'emploi du temps. Moi, je me disais, bon ben voilà, après on trouvera un rythme assez vite et puis je pourrais retourner un petit peu naviguer quand je voudrais, etc. Bah non, là, tout se met un peu entre parenthèses, les priorités elles changent du tout au tout. Il n'y a qu'un seul objectif, c'est juste prendre du bon temps, s'occuper de son enfant, de sa famille. Et puis même, ça a profité à retrouver un petit peu l'envie et la niaque de renaviguer, parce que la saison, elle a quand même été assez intense. Tu te mets dans une meilleure approche pour la dernière ligne droite, quoi, parce que c'est la plus importante. On a 7 couches. C'est tout ce qui nous reste ? Ouais. Le mois de septembre, il est intense. C'est la rentrée et je garde quand même pas mal dans un coin de ma tête que c'est mon employeur qui me permet de réaliser mon rêve de gosse et qui me fait confiance sur ma capacité à gérer ce projet-là en plus de mon projet professionnel. Donc si je fais n'importe quoi à côté, y a un petit peu une rupture du contrat, quoi. Il y a des sujets qui sont pas sujets à débat, quoi. C'est juste de l'information. Ouais. La route du Rhum, elle arrive. Elle arrive très vite. Il faut que je m'entraîne. Il y a toujours des imprévus sur la préparation du bateau. Et là, le temps passe vite parce que c'est sur mon temps libre, c'est les week-ends, etc. Donc en fait, il n'y a pas trop de place pour que ça déborde. Mais là, je sens que sur les niveaux de pression, hein, c'est ce vase-là qui se remplit le plus vite. On avait dit qu'on ferait peut-être une voile de quai aussi. Oui, ben il y a ça aussi. Il y a la voile de quai et il y a les pavillons que tu mets sur tes. C'est 2 semaines de délai. Jeudi 20 septembre. Journée, je l'espère, décisive. Dans quelques heures, je serai à Paris pour enfin signer avec le sponsor qui s'intéresse à moi. Je croise les doigts. Cette fois-ci, ça va être la bonne. Ça peut pas foirer au dernier moment. Encore une fois. J'ai mon sponsor principal, c'est Fleury Michon, mais attention, pas n'importe lequel, Fleury Michon bio. Voilà, et ça me touche vraiment, ça me tient à cœur. Allez, à bientôt.
samedi 3 novembre. J'ai le ventre un peu noué, peur d'oublier un truc. Si je regarde dans le rétroviseur, c'est une drôle de sensation. Toutes ces semaines à devoir s'accrocher pour ne pas abandonner le projet. L'attente du sponsor qui n'en finissait pas. Et cette libération au moment de la signature. Je suis trop contente d'être là, enfin ça y est quoi, on y est. Tout le travail a enfin payé quoi, c'est un bon aboutissement. C'est vrai que ayant trouvé mon partenaire un petit peu au dernier moment, il y a eu énormément de travail de préparation pour la déco du bateau, faire des commandes pour acheter du matériel neuf, etc. Donc c'est un petit peu speed, mais voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et puis voilà, ça y est, on y est, quoi. Au mois de novembre, on s'attendait à vivre des conditions assez rock'n'roll, assez difficiles pour le départ de cette route du Rhum. Mais là, on ne va pas passer à côté. Il y a une grosse dépression qui s'annonce là pour notre traversée du golfe de Gascogne. Donc, il va y avoir une mer assez démente, peut-être 45 nœuds à la Corogne. Donc, dire qu'on n'est pas stressé, ça serait mentir. Hein. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai cette petite boule au ventre. C'est à terre que tu flippes une fois que t'es dedans. C'est pas pareil, mais bon, normalement, quand t'es pas en course, tu prends pas la mer dans ces conditions, quoi. T'attends qu'il y ait une fenêtre et voilà. Voilà, comme ça. C'est en mode Caporne en classe 40. Yeah! Ça y est, j'y suis. Je suis au départ de la route du Rhum. Quel truc de dingue. Plus que quelques heures et on est tous sur les lignes de départ, dans le gros bouillon. Ça me fait flipper. Je me rends compte que l'émotion commence à monter. J'avais un peu masqué tout ça, mais je sens que ça va me péter à la gueule. Participer à la route du Rhum, c'est une course mythique. Il y a la traversée, mais c'est aussi vivre le village, vivre l'atmosphère de la course et puis vivre de l'autre côté de la barrière. Parce que les précédentes éditions, moi j'étais parqué derrière et quand je vois tous les gens qui regardent, qui se disent comment je pourrais avoir un pass pour un peu participer au truc, je me dis que du coup je réalise la chance que j'ai quoi. Salut Jean-Luc. Salut, ça va? J'ai tout fait toi-même. Ouais, bah c'est ça. Samedi 3 novembre. Je suis à quelques heures du départ. Petit coup de stress cette semaine. Ma balise de sécurité n'était plus aux normes. J'ai eu le temps de la changer. Allez, c'est déjà oublié. Les repas pour 3 semaines de mer sont à bord. Les premières heures, je devrais pouvoir manger tranquillement, mais les jours qui suivront, ça sera peut-être régime Madeleine avec la baston. C'est vrai que le départ, là, ça va être un moment stressant, quoi, parce qu'on va être nombreux. Et ma crainte, c'est plus d'avoir des bateaux un peu agressifs sur la ligne, comme on a naturellement sur les lignes de départ de régate, où il y a vraiment ce qu'on appelle des bateaux agressifs, qui vont essayer de mettre les autres à la faute pour prendre un meilleur départ qu'eux, etc. Donc ça, j'espère qu'il n'y aura pas quelques concurrents de classe 40 qui auront ce type d'attitude. Et si j'en vois, j'essaierai de m'écarter d'eux et de prendre un bon départ ailleurs sur la ligne. Voilà, tout simplement. Le rêve de gosse, en fait, il est là aussi, quoi. C'est de côtoyer tous ces gens-là, de pouvoir les approcher de près. Jusqu'à ce que participe à ces courses-là, pour moi, ces gens-là, c'était soit des vidéos YouTube, soit des bouquins, quoi. Donc là, c'est cool. Ouais, j'ai les yeux qui brillent.
Alors, net changement de situation pour mardi, avec une forte dégradation du temps envisagée. On a une houle qui va être de 5 à 6 mètres dans la partie sud du golfe de Gascogne, mais vous voyez que plus à l'ouest, on monte dans une houle de 7 à 8 mètres. Parfois, je suis super sereine et je sais que tout va bien se passer. Parfois, dans ma tête, se dessine un scénario catastrophe avec mon bateau qui coule, qui dématte. Voilà, c'est possible, c'est arrivé à d'autres. Donc, c'est un secteur qu'il faut éviter, qui sera vraiment dangereux au passage de cette perturbation. Ok, on largue. Okay. Tiens, tu récupères la bleue. Non, mais viens à bord, viens à bord. C'est parti. Est-ce qu'il peut nous dire un petit bonjour avec sa main droite, Jean-Luc Bézien-Jacquin, pour qu'on puisse identifier? C'est bien. Le passage des écluses, c'est un grand moment parce que c'est presque comme un au revoir, quoi. Voilà, comme un au revoir à tous les gens qui sont là, qui vous font signe, que vous connaissez ou que vous connaissez pas. Voilà, c'est symboliquement le moment où on quitte la foule, où on quitte la ville, où on quitte la civilisation, quoi, où on quitte le monde terrestre. Voilà, il y a cette symbolique-là qui est représentée par le passage des écluses, quoi. Dimanche 4 novembre. C'était ma dernière nuit avant un petit bout de temps dans un lit. Dernier moment aussi avec Valentine et Clarisse. Je suis sûr que dans 3 semaines, il y aura encore plein de trucs qui auront changé chez Valentine. J'espère qu'elle me reconnaîtra. Tu m'appelleras tous les jours? Tous les jours, c'est le deal. Tu t'attacheras tout le temps? Je m'attache tout le temps. C'est moi qui t'appelle, c'est pas toi. Ouais. Finalement, c'est pas si mal de passer les écluses de nuit. C'est paisible. Et puis ça me laisse le temps de vraiment me mettre dans ma bulle. Les au revoir, les séparations, ça n'a jamais été mon truc. Et Clarisse non plus d'ailleurs. Bah, c'est la séparation que je redoute le plus, hein, clairement. Voilà. Je sais que moi je vais être dans le plaisir, alors que mes proches, ma famille, encore plus Clarisse, il y aura peut-être pour le coup plus un peu d'appréhension ou d'angoisse. Salut, profite, hein, profite bien. Ça reste une traversée de l'Atlantique à l'automne, donc c'est pas... C'est pas anodin, quoi. Voilà, c'est pas juste, je vais en déplacement professionnel, je reviens à la fin de la semaine. Allez, Maxime, allez, allez. On est fiers de toi. Merci. Hein. Et on t'aime, et je vais prendre soin de Valentine. Oui. Puis après, tout est fait pour. Hein. L'atmosphère du départ, un départ de nuit, des gens de l'autre côté, une écluse, bah, tout est fait pour qu'il y ait de l'émotion. Donc, l'événement participe aussi à ça. F pour Maxime, F pour Maxime, F pour Maxime, F pour Maxime, F pour Maxime.
Il y a deux grosses dépressions qui arrivaient sur le golfe de Gascogne, donc était prévu 35, 40 nœuds et un peu plus. Donc voilà, moi je me suis sentie capable d'affronter ces conditions. Puis je me sentais vraiment en confiance, j'avais confiance en moi, confiance en mon bateau. Hop là, bon. Et ben voilà. Benoît et Hervé, qui m'aidaient au routage à terre, analysaient les fichiers météo, etc. Et j'ai pris la décision de ne pas m'arrêter. Voilà. J'ai pris cette décision qui n'était pas facile parce qu'on savait qu'on avait trois dépressions à venir et qui allaient être très, très dures, très engageantes. Moi, j'avais pris ma décision que je m'arrêtais à Camaret. Je savais déjà que j'allais à Camaret parce que tu peux prendre de gros risques par rapport au fait de réaliser ton rêve ou pas. Et là, la situation, moi, je l'ai hyper mal vécue parce qu'elle est horrible parce que tout va bien. Il n'y a pas de vent. Hein. Il y a 10 nœuds, 15 nœuds de vent. De toute la nuit, il n'y en a pas eu des grosses conditions. Et en fait, il y a beaucoup moins de monde qui s'arrête que ce que je pensais. Quoi. Donc, on est deux au port. Et un mec qui a prévu de repartir. Et là, tu te dis, putain, mais est-ce que t'as pas fait la connerie de ta vie à complètement avoir un faux raisonnement. Et là, j'étais vraiment pas bien. Comme quoi, il fait pas toujours beau, hein. Et que des fois, on en croise de près, les cargos. Bon, celui-là, il est petit, mais il est quand même plus gros que moi. Il y a entre 5 et 8 nœuds de vent. Et tout d'un coup, j'entends un clac sec. Je me demande bien ce qui a bien pu se passer. Et je vois tout de suite en fait, le boudeur qui est cassé. Voilà. Et là, c'est la stupeur. Quoi. C'est vraiment... j'en crois pas mes yeux. Quoi. Donc, je me dis, non, je suis pas loin de Brest. J'ai mon ancien boudeur qui est à Saint-Malo. Voilà, je rentre ce soir à Brest. Demain matin, on peut changer le boudeur, quoi. Je me suis vraiment posé la question parce que j'avais vraiment une conscience très aiguë que c'était absolument catastrophique ce qui se passait par rapport à la course, pas par rapport à la casse en elle-même, qui n'était pas bien grave. Mais les conséquences que ça pouvait avoir sur la course. Paris, t'inquiète, c'est la fête. Il y a eu une quinzaine de jours relativement difficiles. Les manœuvres sont intenses, c'est engagé, chaque virement de bord, c'est une lutte avec soi-même et avec les éléments. Tu te cognes partout, voilà, il y a de la douleur physique, de la fatigue, il y a plein de choses qui s'accumulent. Et puis c'est vrai que les classes 40, c'est des bateaux hyper inconfortables, qui mouillent beaucoup, les vagues rincent le pont. Donc t'es toujours dans une humidité constante, avec du sel partout. Il faisait pas assez chaud pour que je puisse me laver tranquillement sur le pont. Toujours la peur d'un dématage, forcément tu penses. Peur qu'une écoute casse, une poulie casse, etc. Voilà, une déferlante, tout peut arriver. Hein, autant quand vous êtes en mer, vous avez le mauvais temps, bah, voilà, vous faites avec. Quand vous êtes au port, vous sortez pas quand il y a 50 nœuds dehors, quoi. Donc, enfin, il n'y a pas un marin qui sortirait d'un port avec 40 ou 50 nœuds, quoi. Personne ne fait ça. Et ben voilà, bienvenue à bord du Clash 40 Azeo. On attend le mauvais temps qui passe. On n'est pas les seuls. Il y a des IMOCA. Il y a d'autres classes 40.
Le front de l'année dernière nous arrive dessus, là, il y a déjà 39 ans dans le port. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On range le bateau, on a un peu d'ordre, et surtout, on fait de la météo. Tu crames un peu d'énergie mentale, mais surtout, t'as peur de sortir de la course. Moi, j'avais un peu ça, j'avais peur de ça. J'avais peur de sortir de ma course, quoi. T'es à terre, je me suis forcé à dormir dans mon bateau, pas aller à l'hôtel, pour pas repartir un peu dans une zone de confort, etc. Faut que si tu restes pas dans ta course, après, tu repars que dans 15-9 ans, quoi. Donc, moi, j'avais peur de perdre la motivation, voilà. C'est assez affreux dans ce sens où on voit bien que la course se délite, en fait. On voit tous ceux qui sont en mer avec toutes les difficultés qu'ils ont. On voit bien que c'est très dur, mais on voit bien aussi, enfin pour moi qui avais pris cette décision d'aller en mer, que c'était la meilleure solution. Même s'ils n'ont pas avancé beaucoup, ils sont quand même allés dans la bonne direction. Salut à tous, la première vidéo. Après ce vrai départ là. On est parti, c'est un temps 9h30. Ah, je suis content, je vais vous montrer ma gueule. Hey, salut à tous. On quitte Cabaret avec plaisir, bien que ça soit un endroit bien sympathique, pour la Guadeloupe. Youhou, c'est parti pour Kiki. Donc au nord de l'Espagne, et là je sais pas. Avec Hervé et Benoît qui faisaient le routage, et ben, on extrapole une date d'arrivée et on se rend compte que y a de fortes chances d'arriver après la fermeture de la ligne. Et peut-être même, si c'est encore pire que ce que les modèles nous donnent, peut-être même d'arriver après le vol retour que j'avais prévu, qui était calé sur des obligations professionnelles. Je pars déjà un mois et demi, je ne peux pas me permettre de partir beaucoup plus. Donc un beau soir, je décide de mettre le clignotant à droite et de rentrer à la maison. Alors, pour descendre dans le sud, c'était du vent dans le nez, froid. Et là, maintenant que je rentre à la maison, c'est du portant, je suis en t-shirt, c'est vraiment pas juste. Bon, c'est vraiment désolant de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, mais voilà, le temps n'est pas extensible. On va aller quand même... Il reste quand même ce sentiment amer de dire... Bon, mais j'aurais quand même pu y aller. J'aurais quand même pu aller jusqu'au bout. Et pas mollir, quoi. Pas baisser les bras. Effectivement, les conditions, elles sont vraiment pas du tout favorables. Et là, du coup, je réalise qu'il y a des impacts. Ça peut avoir des impacts sur mon organisation. Que j'avais pas du tout, enfin pour moi, je n'étais pas du tout préparé à avoir autant de retard par rapport à la première date, quoi. À ce moment-là, la frontière entre réaliser son rêve et l'égoïsme, elle devient vraiment mince, parce que pour aller au bout, je demandais encore beaucoup beaucoup plus d'efforts à tous ceux qui m'avaient déjà beaucoup 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 soutenu, quoi, que ce soit professionnellement, financièrement, logistiquement, etc. Et voilà, et après c'est des trucs, est-ce que tu vas les redemander ou est-ce que tu vas pas les redemander, quoi. Voilà. Et du coup je me suis dit, tu les redemandes pas. Mercam vers l'Orient, terminus, tout le monde descend, fini de port. Sur le retour,
tu craques. Toi, c'est des trucs tout bêtes, mais il y a des gamins qui sont venus te voir avant, qui t'ont fait des dessins, qui ont dit que t'es le meilleur, on croit en toi, tu vas faire un super résultat. Donc, t'as les dessins accrochés, donc t'es en train de bouffer, tu prends ton café, et puis ça va, puis tu vois le dessin, tu fais putain, qu'est-ce qu'il doit penser Et voilà, elle est là, elle est derrière moi, la Guadeloupe. Elle est là, ça y est, on y est, on a réussi, wouhou ! On y est, on est en Guadeloupe ! C'est que du bonheur, je suis dans un état de malade. Allez, merci à tous. Yes, vive la vie, vive les rêves, soyons fous ! J'explose de joie, Et c'est vrai que c'est des sentiments dont je me souviendrai longtemps, parce que j'étais vraiment hyper heureuse, hyper fière d'avoir vécu, vécu ce que j'ai vécu, réalisé ce défi. Là, la vérité, c'est que j'ai versé ma première larme, parce que t'es crevée, c'est vraiment très très fort. J'ai pensé à ma mère, effectivement, à qui je dédie cette course, hein, ça c'est sûr. Et voilà, beaucoup beaucoup de choses qui se mélangent, mais beaucoup de joie aussi. Enfin, c'est très très fort. Ouais, je fais partie un peu de l'histoire du Rhum. J'ai réussi. Je fais partie genre dans la course au large. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses, puis c'est vrai que t'as le temps de penser à beaucoup de choses quand même, donc beaucoup de fierté de prouver aussi aux autres que j'étais capable de faire ça. Tu vas très très bien. Bon, bravo, félicitations, bien arrivé en Guadeloupe. Là c'est vraiment un gros regret parce que j'aurais pas dû suivre leur truc parce que si j'étais parti 36 heures plus tôt ou 24 heures plus tôt, c'était pas les mêmes 24 heures 3 jours après.